Bon, troisième épisode pour notre petite ferme. Je me suis dit qu'on allait avancer un petit peu ensemble. J'ai pas beaucoup avancé de plus, sauf que j'ai acheté une petite parcelle en plus par rapport au dernier épisode. Je vais peut-être bouger un tout petit peu ma caméra, peut-être la descendre un tout petit peu. Paf, la mettre ici. Et j'ai avancé un peu niveau 30 pour la ferme et niveau 24 pour le personnage. Donc voilà, j'ai acheté cette parcelle ici. Pour l'instant, j'y ai pas installé quoi que ce soit. On verra. J'aurais aimé potentiellement là... On devrait avoir pas mal d'argent avec tout ce que je vais récupérer. Donc, réaménager un peu la ferme. Voilà. Histoire que ça soit un peu cool. Et qu'on ait quelque chose d'assez clean. Parce que là, tout est un petit peu en bazar. Donc, je me disais que ça pourrait être cool de réaménager tout ça. Je suis étonné que tu n'aies pas testé Coral Island. Il me semble que j'ai regardé les images. Et que ça m'a pas attiré plus que ça. Si je dis pas de bêtises. Attends, je vérifie sur Steam. Il me semble que j'ai... attends. Coral Island. Je crois que c'est ça. Ah non, c'est pas celui-là. Si, peut-être que c'est celui-là. Je vérifierai, mais il y en avait un où j'avais l'impression qu'il y avait des petits mini-jeux qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le jeu ou des trucs. Et ça me tentait moyennement. Mais peut-être que c'est pas celui-là. Je regarderai du coup. Bon, je récupère tout ce que j'ai à récupérer. Et à ce moment-là, avant de replanter, on va réorganiser notre ferme. Ah, attends, par contre, je crois que je suis full, là. Ok, je suis full. Donc, on va vite aller en ville. On va aller vendre tout ça. Tiens, je peux améliorer, d'ailleurs, ça. Ça pourrait être intéressant. Améliorer. Et il m'en faudra 7 pour améliorer après. J'en suis où, d'ailleurs? J'en suis à 200% pour faire le plein et 500 en 4 termes de capacité. Eh, on est bien, là. On est très très bien. Ouais, c'est ça, il y a les festivals dedans, c'est ça. Non, mais c'est pas celui-là auquel je pensais alors. Attends, je vais en vendre un maximum ici. L'avantage, c'est que j'ai bien évolué sur les stocks. Ce qui fait que j'ai beaucoup de possibilités. Je vais vendre à ce moment-là ça. En termes de diamants, c'est pareil, on a 1200, donc on est très bien. Ouais, c'est ici. Ok, là, parce que là, je suis full. Voilà, et à ce moment-là, je vais peut-être pouvoir l'améliorer après. Ah, attends, voyons voir. Ma farm together est top. 29 000. Non, je vais pas le faire. Je préfère pas le faire tout de suite à ce moment-là, lui. Je vais revendre quelques trucs. Au niveau des fleurs, c'est pareil, j'en ai beaucoup. Je préfère en vendre maintenant. Et me libérer un peu d'espace dans mes stocks. Même si j'ai bien acheté des améliorations. Je regarderai Coral Island. Tu sais quoi, je le mets dans ma liste de souhaits sur Steam. Et j'irai regarder. Bon, ça me paraît pas mal. Ah bah non. Suka Game n'a pas du tout la musique quand même. Quand même. Viens pas insulter Farm Together, enfin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un maximum de choses. Et comme je disais, on va réorganiser la ferme. Parce que je voudrais avoir quelque chose de clean. Et au pire, je supprimerai les arbres, je replanterai, etc. Au pire. Je pense que je vais d'ailleurs tout supprimer, je vais tout replanter. Ce sera beaucoup plus simple. Ça va nous demander un peu de temps, mais c'est pas grave. On va perdre un peu de sous, qu'on récupérera plus tard. Voilà, je passe au niveau 25 avec mon personnage. Les tulipes qui passent au niveau aussi. Hop. Comme ça, je me fais un truc un peu stylé. Peut-être que je garderai cette petite ferme ici. Ah ouais, mais attends, non, parce que si je supprime ça, vu que ça m'a déjà mis un sacré bout de temps, quoique, attends. Il restera combien de temps ici? 34 minutes, si, ça devrait le faire. Ouais, ça devrait être bon. Allez, on y va. Alors, on est sur, entre guillemets, l'épisode 3, oui, si jamais je le sors un jour. Sinon ça sortira pas, mais c'est juste pour dire à peu près où on en est par rapport au nombre de vidéos qu'on a fait. Mais comme moi, j'ai déjà joué beaucoup à l'extérieur et que je continuerai à jouer beaucoup à l'extérieur, voilà. C'est juste plutôt un suivi de ce que je suis en train de faire, plutôt qu'autre chose. Je vais éviter de trop les nourrir pour l'instant, puisque de toute façon je vais les supprimer après. Je pense qu'on va tout supprimer et qu'on va tout recommencer entre guillemets à zéro sur l'organisation. Hop là, ça c'est bon. À voir par quoi je commence, en fait, surtout. Donc ça c'est bon. Ok, je récupère ici. Ah, ça fait du bien, le tracteur qui a beaucoup plus de possibilités là en termes de... d'essence, waouh, ça change tout. Pas besoin d'aller le réapprovisionner toutes les 3 secondes. Qu'est-ce que ça fait du bien. Allez, les cochons sont en train de dormir, du coup. Ok, je récupère tout. Ça fera passer des niveaux aussi.
Et j'ai ce grand terrain là qui est en tout en longueur aussi qu'il faudrait aménager, ça pourrait être chouette. Hein. Faut voir. Là, je récupère tout ça. Important parce que du coup j'ai toute la thune que j'ai. Hop là. Là ça c'est bon. Ok. Donc ça j'en avais. Ça j'avais une mission, c'était 290 à récolter. J'en aurais pas suffisamment donc il faudra que j'en replante de toute manière. Itinéraire gourmand là. Ok, j'ai mes choux. Mes choux de Lombardie aussi qui sont là. Ouais, je trouve ça sympa de faire un petit. Bah, en fait, c'est chill. Comme je disais, bah, c'est un jeu qui permet vraiment aussi de parler en même temps en stream. C'est cool. Tout à l'heure, on testera V-Rising du coup. Je voulais tester ça parce que, comme on en discutait l'autre jour, j'ai vu qu'il y avait un pack avec Castlevania. Et je me suis dit, voilà, est-ce qu'il y a du coop en split screen? Alors, en split screen, je ne suis pas sûr, mais il y a du coop. Mais pas en split screen, je pense pas. Je pense pas que ça soit en split screen, non. Bon, ça c'est bon. Ok, on a 171 000 du coup. Alors le plus relou, ça va être les barrières à enlever. Okay. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on va commencer par ça. Voilà, on va tout recycler. Ah, les barrières, elles vont être insupportables à enlever. Allez, on vire tout. J'aurais dû le faire en même temps en fait. Ça aurait été plus simple. Ok, recycler les 4 cases. Eh ouais, je vais être obligé de le faire à la mano. En fait, c'est ça le problème, c'est que. Clôture, oui. Ah ouais, les clôtures, c'est un enfer. Les clôtures, c'est un enfer à enlever. Faut vraiment qu'une fois qu'on les a mises, on n'y touche plus. Que là, ça c'est le jeu qui nous les avait mis ici. Ouais, 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 ça c'est un enfer. C'est très joli, mais alors, waouh. J'en ai déjà retiré pas mal de l'autre côté qui était embêtante. Et on va voir où est-ce qu'on mène aux fermes aussi. J'aurais aimé faire un truc un peu stylé ici, là. Pareil, on a un terrain assez en longueur. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu cool. Alors, pourquoi tu veux pas? Là. On va voir ce qu'on peut faire. Sachant qu'il faut que je garde un 2x3. Moi, ça me paraît bien. En fait, je pense que nos cultures à l'intérieur, on va les laisser comme ça. Ou alors, on met des arbres aussi. En fait, les arbres, c'est pareil. En fait, il vaut mieux laisser les arbres en 3x3. Parce que c'est ce qu'on peut récolter. Alors, du coup, on a changé de saison. Ah, putain, c'est ça que je veux pas faire. Ah, je savais pas que je pouvais faire ça. Ah. Ah bah très bien. Ah, je me disais aussi. Ok. Ah, ça c'est bien. Ok. Très bien. Bon, je récupère ce qu'il y a dans les arbres. Ok, je savais pas que je pouvais faire ça. Je l'ai compris avec le jeu, écoute. Attends, je récupère tout ça. Hop. Et je vais les virer en même temps. Attends, je récupère. Non. Je récupère et je vire. De toute façon, je replanterai tout. Là. Je sais pas si quand je les recycle, je récupère tout mon argent ou pas. 550. Ah, je récupère que la moitié. Je récupère que la moitié. Et ouais. Ah, je récupère que la moitié. En fait, c'est pas une bonne idée de les recycler. Parce que sinon, tu perds la moitié de ton fric. Faut faire attention quand même. Hello. Hello, hello. Ça va? Attends. Ouais. Bon, on va essayer de gérer différemment. Faudrait que je fasse des vergers. À ce moment-là, les vergers, je pourrais peut-être les mettre par là, là, sur toute la longueur. Genre faire de cette zone que des vergers. Ça peut être sympa. Faut que je vois. Ben, ça va très bien, écoute, ma foi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va supprimer tout ça. Voilà. Ensuite, on supprime tout ça. Voilà. On supprime tout ça. Comment... Ah oui, alors j'ai vu aussi. Que un peu plus tard dans le jeu. Et du coup c'est à se demander si je vais pas attendre encore un petit peu. Je vais avoir la terraformation. Et je ne savais pas qu'on aurait la terraformation. Je ne m'en souvenais pas de ça. Si c'était le cas dans le premier, je ne sais pas. Je ne sais plus. Et du coup je me fais douter moi-même. Je suis pas sûr.
je suis pas sûr de vouloir tout détruire maintenant. Voilà, je détruis quand même certaines choses qui me permettront de bien clôturer, mais peut-être pas tout, tu vois. Est-ce que je mettrais pas genre les poules ici? Non, je veux faire une grande avenue là. Genre là, je vais mettre une grande ligne. On va faire ça comme ça. Et à ce moment-là, mes petits cochons, je vais les mettre. Et écoute, je vais mettre mes animaux ici. Je vais les parquer ici à ce moment-là, mes animaux. Bon, les parquer, c'est peut-être beaucoup dire, mais. Et. Ouais, ça peut être pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Venez là, les gars. Voilà. On va toute la porcherie ici. Ça me paraîtra pas mal. Hein. Ilou. Là, je fais toute une ligne avec les cochons. Ce qui peut être très sympa. Merci, Blo, pour ton resub. Merci beaucoup. Chatham, on a un petit peu trop des cochons. Tiens, d'ailleurs. Ouais, ou alors j'en fais une double. Quoique. Ah non, ça devrait être bon. C'est juste qu'il faudra que je recrute des cochons. Oui, je vais les recruter. Il faudra juste que je récupère une autre race de cochons en plus. Et que je récupère ça aussi. Ilou à ceux qui débarquent. Ilou. Ouais, j'en ai peut-être un peu trop des cochons comme ça. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même en rajouter un pour l'instant. Attends, ce que je vais faire, c'est que... port de terroir. Je vais supprimer le port de terroir ici. Port de New Hampshire, j'en ai beaucoup. Hein. Je vais les mélanger. On aime quand tout le monde est mélangé. Toutes les couleurs sont mélangées. On aime ça. Voilà, ça c'est la vie. La vie est comme ça. C'est ça qu'on aime. Allez, vas-y, viens là. Parfait. Donc, 3600, écoute celui-là, la vache. Ah, ils sont pas donnés, hein, ces petits cochons-là. Enfin, ces porcs, du coup. Ils sont pas donnés, hein. Eh, vous avez intérêt à me rapporter, les gars. Il y avait quoi d'autre? Oui, ça, c'est les poules, après. Ok, bon, ça, c'est les cochons. Très bien. C'est pas ça que je voulais faire. Là. Bam. Ok, bon. Donc ça c'est bon, on va mettre des petites barrières à ce moment-là tout de suite. Ah attends, attends que j'oublie pas parce que du coup sinon je vais oublier avec la saison. Il n'y a rien de la saison, faut pas les oublier ceux-là. Hop là, ça fait de la thune en plus. Hop. Ouais non, je sais pas comment je vais encore organiser parce que comme on a la terraformation qui va arriver derrière... C'est un peu comme Animal Crossing, tu sais, tu fais ton île, et puis après tu débloques des nouveaux trucs et tu dis « Ah, finalement non, j'aurais pas dû faire comme ça !» Et du coup, te revoilà en train de tout redétruire. Et c'est pas le but. C'est vraiment pas le but. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la grande grange. Et je vais la mettre... ici. Déjà. Voilà. Ou pas. Peut-être la mettre au... Ah, je peux pas la mettre au bout. Si, c'est en deux. C'est en deux. Dis donc, Bernardo, t'as pas un petit peu l'impression que t'es genre pas chez toi? Allez, reviens. Allez, ton gros cul là. Allez, rentre. Voilà, merci. Bon, attends. On va mettre des barrières. Qu'est-ce qu'on met comme barrière un peu sympa? Clôture en bambou. Elle coûte cher la clôture en bambou, la vache. Après, ça peut être très stylé. Ah, j'aime bien les clôtures en pierre. Ça coûte super cher. Bon, après, j'ai ce qu'il faut, tu vois. Je vais mettre des clôtures comme ça, clôture en pierre, j'aime bien. Bon, écoute, je vais mettre une clôture en pierre. Ouais. Ouais, c'est joli. Ah, c'est joli, mais ça coûte cher, hein, quand même. Pourquoi tu veux pas me mettre une barrière là où je te le demande? Là. Ouais. Ok, vas-y, j'avance comme ça, tranquille.
Non, ça va être stylé comme ça. Bon, après, c'est que 20 diamants par truc, vu le nombre de diamants que j'ai récupéré. En fait, c'est à partir du moment où tu commences à bien vendre. Au pire, saucisson. C'est ça. Le pauvre. Le pauvre. Attends, j'en profite également. On va faire un petit chemin pavé. J'aime bien les chemins pavés. Hein. Ah, je peux pas faire genre 3 d'un coup. Ouais, c'est sympa quand même. Écoute, je vais faire ça comme ça. Peut-être que je modifierai ça ici, je mettrai des fleurs ici à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a? Il y a même des petits bancs, il y a des trucs un peu sympas, genre une botte de foin. Tu sais, tu mets une petite botte de foin ici. Ça, c'est joli. Ensuite, tu mets quoi? Tu mets un tas de foin, genre là. Bam. Ensuite, ce qu'il faudrait faire, c'est rajouter une mangeoire. J'en avais une là-bas. J'avais une mangeoire que j'avais laissée là. Là, ça devient intéressant, tu vois. Là, on commence à gérer un peu notre, notre ferme. Je vais mettre la mangeoire à ce moment-là, genre... ici. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'il y a une fin de jeu, une fin d'histoire? Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. C'est comme Animal Crossing, en fait. Tu as terminé de jouer quand on a marre d'y jouer. Les meilleurs jeux, c'est les meilleurs jeux. C'est les meilleurs jeux quand il y a ça. Alors, peut-être que du coup, je l'ai peut-être un peu mise dans le mauvais sens... mettre comme ça à ce moment là c'est vraiment juste histoire de en fait. Ah bah non, bah non. Et Bernard enfin, bah non, ça n'a pas de sens. Ah oui, ah oui, mais alors attends, parce que du coup si je mets ça comme ça ou alors je vire un cochon et je le mets là bas ah si il veut bien, c'est bon, regarde, je peux faire ça comme ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. Non, oh, Bernardo, parce que je t'ai demandé. Voilà. Ah, du coup, je vais peut-être décaler un petit peu ça. Ça va faire bizarre sinon. Là. Même si c'est plus trop en face, à la limite. C'est pas bien grave. Et je vais rajouter un... paf, ça comme ça ici. Voilà. Voilà, et là il y a possibilité de faire des fleurs à ce moment-là. Je vais mettre des fleurs ici, un petit parterre de fleurs. Et juste là, un petit géranium. Paf. Alors attends, voilà. Donc non, pas de fin. Pas de fin au jeu. Après, bah peut-être qu'il y aura plus de trucs à débloquer. Mais à mon avis, avant qu'on ait tout débloqué, waouh. Parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a tellement de choses qui arrivent après que ça va prendre du temps. Je vais mettre des poules à ce moment-là. Je vais mettre mes poules en face. Et on va refaire un petit peu la même chose. Alors, je vais virer ça. Et on va virer tout ça. Hop là. On perd un peu de temps et d'argent, mais c'est pas bien grave. Je vais mettre mes poules à ce moment-là, ici, là. Là. Tout là. Et à ce moment-là, je referai mes cultures un peu plus loin. Voilà. Hop. Putain. On va remplir le tracteur. Donc, reprenons. On va commencer par ça, cette fois-ci. Et on va la mettre ici. Là. Voilà. Donc, après je mettrai mon petit truc là. Et on va chercher les poules, en avant. Par contre, les poules, je crois que j'en ai que deux sortes. Donc il va falloir peut-être qu'on avise. Attends. Ah, et je peux tout prendre d'un coup? Ah, je peux tout prendre. Oh là là, le jeu est super bien fichu. Ok. Ah, j'étais en train de me demander tout à l'heure. Oh là là, c'est bien fichu, je me souvenais pas de ça. En fait, le jeu est vraiment très accessible. Genre vraiment ultra accessible. C'est très très bien. Très très bien ça. Parfait, parfait, parfait. On aime, on aime. Il me reste combien? Ah, il me reste beaucoup en fait. Non, attends. Attends, attends, il me reste combien? Il reste quoi? Ah ouais, il m'en reste beaucoup en fait. Peut-être un peu trop même, hein. Par rapport au cochon. Attends. Je vais prendre ces trois là. Je vais les amener là. Après pour l'instant on a que les poules et les cochons, on en aura d'autres plus tard de toute façon.
fait, c'est surtout ça, c'est que après, on va avoir. On aura sans doute d'autres choses. 8 sur 10 ici. Après, il faut faire un truc assez visuel aussi, ça aurait pu être cool. Genre. Si je mettais ça là-bas, ça peut être stylé, ça aussi. On va essayer de voir. Si je prends ça et que je le mets comme ça, ça peut être joli. Ah, faut que ça soit pratique aussi à ramasser, en fait, c'est surtout ça. Il faut que ça soit pratique à ramasser. Hop. Hop. J'en avais planté combien? Je sais même pas combien j'en avais planté. Ah bah c'est bon, ok. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est en remettre deux. C'était ceux-là, le mûrier. Voilà. Et on peut peut-être mettre une petite rangée d'arbres ici. Qu'est-ce que j'ai viré tout à l'heure? C'était les pêches. Non, c'était les pêches que j'ai virées? Ou les abricots? On va mettre les pêches. C'est sympa. Ça fait joli. Voilà. Ok. Ensuite. Donc ça c'est bon. Je vais rajouter un petit terrain là. Paf. Voilà, merci. Paf. Ça c'est très bien. Petit truc. Ah bah c'est bien, je peux en mettre plusieurs d'un coup. C'est pas plus mal. Tracteur est pratique. Hop là, super. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à l'extérieur celle-ci? Zut. Eh. Alors, ça c'est bon. Ah, et ça c'est parti pour un petit ban sur le stream. Hop là, bannir. Ok, on est bon. Paf. Ça c'est fait. Ah, ça arrive de temps en temps, écoute. Hein. Allez hop. Ok, elle est dans son enclos. Je vais récupérer ceux-là et je vais les mettre à ce moment-là ici. Ça peut être sympa. Ouais, ça peut être un peu sympa de faire ça. Alors attends, ce que je vais faire. Hop. C'est que je voudrais que ça reste pratique. En fait, c'est le truc, c'est qu'il faut mêler l'utile à l'agréable. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste à la fois pratique à ramasser quand tu passes en tracteur et en même temps que ça soit joli. Et ça, c'est pas facile. Parce que les citronniers, c'est pas tout le temps, c'est pas toute l'année. Et j'en ai mis peut-être un peu trop. Sachant que j'en ai de l'autre côté aussi. Je vais les mettre là. Hop. Ça fait un petit verger un peu sympa. Je mets ça ici. J'en ai combien? Ah oui, 3 en attente. Ah, c'est bien fait, j'avais pas vu en bas de l'écran. J'avais pas vu. Bon, du coup, je peux peut-être en virer un. Hein. Voilà, je recycle. Ensuite. Ça, c'est mes petits pommiers. Donc, allons chercher nos poules. Il nous en restait pas mal. Hein. Eh ouais. Ah, ça fera trop même. J'en ai trop. J'en ai trop des poules. Écoute, je mets tout ça là. Et ça devrait suffire. Les autres, à ce moment-là, les autres poules, je vais les quick. Voilà, des petits poulets à manger. Ah, très bien. Hop là, désolé. Paf. Voilà, vous finissez dans l'assiette. Vous. Hop là. Bam, ça c'est bon. Nickel. Ok. Je vais peut-être mettre un parterre de fleurs ici ou autre chose. Je sais pas encore ce que je vais mettre au milieu. Je peux récupérer tout ça, j'en profite. Voilà. Hop là, je les nourris. Très pratique la mangeoire pour pouvoir laisser plus de nourriture au fur et à mesure d'ailleurs. Évidemment, nouvelle saison, nouvelle récolte. Okay. Donc, on a dit ça.
ça qu'il nous faut. C'est pas mal que le jeu s'adapte pas mal à ce que je veux faire, donc assez intelligemment pensé. C'est bien réfléchi, je trouve. Ok. Donc. Ouais, ça commence sur Twitch maintenant aussi, malheureusement, les trucs les bots frauduleux là. C'est terrifiant. Bon, bah écoute, ça me convient bien pour cette première petite organisation. Qu'est-ce qu'on met au milieu ici? Déjà, ce que je vais faire. Bonjour à ceux qui débarquent. Ça là, à ce moment-là, je vais le virer et je vais le mettre. Je vais mettre à un endroit plus pratique. Du coup, je vais le mettre là pour l'instant. Non, il faut que je le laisse dans le passage. Je vais le laisser dans le passage ici. Enfin, les gars, je le laisse là pour l'instant. C'est histoire de le décaler un peu. Ah oui, je vais ça récupérer pour les sous. Ok. Bon, la petite forêt, je vais peut-être la laisser là pour l'instant aussi. Ça me paraît bien. Au pire, je la retoucherai plus tard. Ce qu'il faut, c'est ne pas supprimer les fleurs. Parce que les fleurs, elles mettent du temps à pousser. Et c'est une galère si je les supprime après. Donc. Ah oui, j'avais laissé le petit poulailler. C'était sympa ça. C'était juste histoire de dire. C'était juste un objet de déco en plus, hein, celui-là. Je vais le mettre là. Attends. Oui, c'est très bien, vas-y. C'est juste un objet de déco celui-là. Pas grave. Donc. Prenons ce bâtiment de ferme. Et mettons-le. Ah, c'est déjà un peu plus sympa que tout à l'heure, hein, quand même. C'est déjà un peu plus sympa. Je vais prendre le banc. Je vais le mettre là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'ailleurs en déco? Petit tas de bûches, des petites pierres. Rocher moyen. Ouais, c'est des gros rochers ça. Alors moyen, ouais, je sais pas trop. Un petit rocher. Ça va être sympa un petit rocher. Si je mets un petit rocher là, ça donne quoi? J'aurais peut-être plus mis ça à la limite. Bon, c'est très bien, je mets les deux. Regarde, on va mettre les deux. Ah, mais du coup, je peux passer en tracteur ou pas quand même? Ouais, ça passe. Ça passe, on est bon. Ça passe. Donc, à ce moment-là, on va planter des choses ici. Toc, toc, toc. On va mettre des trucs un peu plus sympas. Clôture d'écurie. C'est vrai qu'elles sont sympas les clôtures d'écurie. Ah, attends, je peux mettre des petits lampadaires. On va mettre un lampadaire là, regarde. Attends. Genre là. Oh, c'est sympa quand même. On peut le mettre au milieu comme je te le demande ou pas? Je veux juste le mettre au milieu, là. Ouais. Ah, c'est joli. Ça va être joli de nuit en plus. Attends, je voudrais juste en remettre un encore là. Là. Alors attends. Ah non, j'avais ça. Ah mais non, j'avais ça, c'était mieux. Ah bah attends. C'est beaucoup mieux ça, à l'entrée. Ça. En brique. Là. Et du coup, si je mets ça en brique, ça veut dire que je dois rajouter des petits murs en brique, genre ici. Alors pas là. Ici. Non, ça passe plutôt pas mal. Hein. Regarde. J'aime bien. Ah, j'adore. Le petit lampadaire. Ah, attends, du coup, je vais peut-être supprimer ceux-là. Lampadaire, oui. Ok. Ouais. Auquel cas, j'en remets un là. Non, bah, je vais faire sur toute la longueur avec ça à ce moment-là. Je vais faire sur toute la longueur avec celui-là. C'est mieux. Autant rester sur un truc un peu uni. Et ça peut être pas mal. Voilà, ici. Et normalement, je suis en combien là? Je suis en 3 par 3, non? Ah, je suis pas en 3 par 3, zut. Wow, c'est pas grave. Allez, bon, ici, on va mettre... tiens, on va replanter ça parce que j'en ai besoin pour la mission.
C'est pas grave si on n'est pas en 3x3, ça sera très bien. Ouais, c'est quand même beaucoup plus joli que tout à l'heure. Je suis très content de ce qu'on est en train de faire. C'est très chouette. Je vais rester sur ma petite idée de tout à l'heure. Avec ça. Voilà. Ensuite. Ah, faudrait que je mette un petit moulin. Ça va être cool, ça aussi. Je vais mettre ça ici. Ça, je pourrais le laisser genre au milieu des champs aussi. Ça pourrait être sympa. Alors. Si, le maïs du LF, je le planterai plus tard. Parce que là, j'en ai 290 à récupérer de celui-là. Regarde. J'ai une mission avec 290 de celui-là. Tu as maïs 290 à récupérer. Donc il faut que j'en plante aussi. C'est un petit épouvantail. Ah, dans l'autre sens. Bon, attends. Tant pis, on verra après. Donc. À la limite, je vais récupérer mon truc là. Et je vais le mettre devant. Ah ouais, ça commence à être super joli. Je vais mettre un petit moulin par là. Ça, je vais le laisser là à ce moment-là. La petite citerne. Je vais aller choper un des moulins de mon cœur. Et alors attends, par contre, je vais en choper 1, 2, 3. Ça, c'est mes petits pommiers. Les pommiers, c'est pas mal. Je vais en mettre un là, là. Et je vais mettre une... Non, je vais en mettre ici. C'est bien ça. Ah, punaise, attends. Parce que les pommiers, ça passe bien. Je vais les récupérer. Voilà. Je viens le mettre. Bonjour à ceux qui débarquent, hello. Alors, je voulais les mettre en... Pas comme ça. Bon, tant pis. Quoique si, c'est très bien en fait. C'est très bien. Il m'en reste deux. Je les case là. Hop. Ah, punaise, voilà, c'est bon. Ok, on est bon. Donc, ensuite. Oh, j'adore. Ça change tout. Ça change tout, vraiment. Je commence à avoir un truc magnifique. Donc, ici, par contre, on va planter. Attends. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ouais, c'est joli. Du coup, là, je suis en 3x3. Ouais, il faudrait que je sois en 3x3 de préférence. Ce serait bien. Et de l'autre côté, je verrai pour mettre des arbres à ce moment-là. Je vais rester sur ma ligne pour avoir des belles récoltes. Ok, recycler. Super. Donc, reprenons. Maïs violet, de toute façon j'en ai plus suffisamment, c'est pas la bonne saison, donc on verra plus tard. Je vais rester sur deux lignes et en mettre des arbres devant. Faut que ça soit clean. Voilà. Ouais, comme ça on fait un truc joli et on sait où sont nos récoltes. Okay. Paf. Très bien. Donc ça c'est bien. Du coup ça je peux. Est-ce que je le vire? Non, je vais faire autrement. Attends. Je vais faire autrement. Je vais juste bouger un peu le terrain à ce moment-là. Ce petit chemin de pierre là. Oui. Et. On va rester sur de la pierre. On va rester sur de la pierre pour l'instant. On va rester dans le thème de ce qu'on avait commencé déjà à construire. Alors on reste là-dessus, on n'en démord pas. C'est pas mal. Je fasse gaffe aux diamants, je suis en train de remarquer que... J'en ai plus que 165. Ça descend à une vitesse folle. Parce que tout ce qu'on utilise en fait c'est que des diamants là. Donc je pourrais pas tout faire d'un coup. Ça c'est clair. C'est pas grave, on aura bien avancé au moins. Ok, je reconstruis ça ici.
Ok. Super. Ouais, ça rend bien, ça rend vachement bien. Ok. À ce moment-là, ici, je peux peut-être mettre des parterres de fleurs. Hein. Ça aurait pu être joli. Ou je mets des arbres. Non, je vais mettre les arbres. Je vais mettre mes, arbres, ça peut être un peu plus sympa. Qu'est-ce que j'avais mis ici déjà? C'est mes poiriers. Tiens, je vais prendre mes poiriers. Ou alors je les mets là. Regarde, je vais mettre ici. Je vais mettre mes poiriers ici. Comme ça, au moins, c'est bien. Allez, je récupère tout. J'en ai même un peu beaucoup. D'ailleurs. Bonjour à ceux qui débarquent. Hello! Alors, si ça rentre, ça serait incroyable. Et il m'en reste 4. Ok, bah écoute, ça suffira en poirier. Celui qui est en attente, là, je vais les virer. Ça fait trop, ça fait trop. J'en avais, de toute façon, j'en avais un peu trop, donc. Voilà. Allez, viens là. Paf. Supprimer. Et. Supprimer. Qu'est-ce que j'avais ici? Ça, c'est. Des pêchers. Et ça aussi? Oui, excellent. Excellent. Bon, je vais les mettre de l'autre côté. Hein. Hop là, le petit tracteur qui passe par-dessus le mur, on aime. C'est très cool. Et à ce moment-là, je vais les mettre là. J'en ai encore 8. Voilà. Il m'en manquerait un potentiel à mettre ici. Ils sont où? Attends. Abricotier. Ah, je pensais que... Ah oui, il est là. Punaise, je le voyais pas. Hop là. Et eh bah ben super, ça c'est très bien. C'est très bien. Écoute, c'est bien organisé. Et de toute façon, il va falloir qu'on aille revendre des trucs parce que j'aurai plus suffisamment de sous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même planter des petites choses ici. Et on retouchera ça plus tard. À ce moment-là, je vais mettre des concombres. Ça mettra 2 heures à pousser, mais au moins on aura pas mal d'argent. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que tu laisses ton jeu. Et puis tu pars faire un truc, tu reviens 2 heures après, tu fais ah trop cool, c'est bon, ça a poussé, tu peux continuer. Le jeu t'invite vraiment à prendre ton temps. Et ça c'est vraiment très agréable je trouve. Bon les bananiers je verrai pour les mettre plus loin. Ça c'est bon. Je me régale avec du pain sorti du four. Le meilleur. Ok. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là au moins pour cette récolte. Ça me paraît pas mal. À ce moment-là. Non mais ça me paraît bien. Je vais laisser tout ça pousser et puis on verra à ce moment-là au prochain. On verra au prochain épisode si. Après, peut-être que l'idéal, ça serait d'en replanter quelques-uns quand même en attendant. Enfin, ça fait une bonne croissance. Ok, je vais faire une grosse plantation ici pour ne pas perdre de temps ni d'argent du coup dans le jeu. Voilà. Hop. Ça sera très bien. Là, je vais dépenser quasiment tous mes sous. Mais au moins, on aura une très très belle récolte. Est-ce que j'en profite pour faire ma mission avec le maïs? Oui, ça pourrait être pas mal. Vas-y, on va faire ça ici. Bon, ça sera pas comme ça, évidemment, à la fin. Hein, mais je suis content, on a super bien avancé. C'est magnifique. Pour le coup, là, ça fait vraiment genre une vraie ferme. Une vraie exploitation. Bon, là-bas, hein, pas ce que je suis en train de faire là. Mais il y a moyen de faire quelque chose de joli ici aussi. Ok, et... Vas-y, je termine ici. Écoute, j'en remets là aussi en attendant, hein, tant qu'à faire. Je vais tout remplir. Autant remplir au max. Et comme ça, ça nous fera de quoi dépenser, de quoi gagner des diamants plus tard. Je sais pas si je mettrai ça en rediff sur la chaîne secondaire ou pas. Je sais pas s'il y aurait une demande pour voir ces petits épisodes un peu chill de temps en temps. Aucune idée. Peut-être que je mettrai les 2 ou 3 premiers qu'on a tournés. Et puis à voir. À voir si s'il y a des gens qui sont chauds. On verra. Je sais pas encore. Ah, 685 pièces pour chaque. Eh ben mon cochon. À 100 d'XP pour chacune des fleurs. Waouh. Ah oui, elle met 8 heures à pousser celle-ci, c'est pour ça.
Et B. Ok, et eh bah écoute, très bien. Je vais replanter des trucs ici. Et bah nickel. Allez, hop. Et bah ça sera très bien. Ça sera parfait. Et puis on va pouvoir s'arrêter là pour notre épisode. Écoutez, on a tout planté là. On aura ce qu'il faut en maïs. D'ailleurs, on est comment sur le maïs? On a un indicateur normalement. Journal de quête. Maïs 206. Et bah c'est bon. C'est bon. On sera tout pile pour récupérer cette mission. Donc nickel pour cet épisode. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté pour cet épisode. Qui, ma foi, on aura bien avancé. Donc je suis assez content en vrai. Ouais.